ako kisi nyuso ni kulusu, yes we yo elo mananga, yo elo mananga, yes we yo elo mananga, yo elo mananga, yo elo mananga, yo elo mananga, yes we yo mutu yananga, Jésus. Nani akokisela nga biyano na mituna na ngai. Nani akokatela nga makambo eleki mayele na nga. Nani akobundela nga bitumba eleki makasi na nga. Bobele masiya, oh, bobele yo. Ozali tina ya bozali na ngai awa ose. Ozali oyo oyo molimo nange mesana koyoka. Ozali bendele ya lokumu ekope patango nyonso kati na motema na ngai mokumba meli na yo ozali nzambe oyo elonga na ngai Yesu yo elonga na ngai yo elonga na ngai Yo soy a motu ya nanga yo soy a motu ya nanga Yesu eh a motu ya nanga yo soy a motu ya nanga yo soy a motu ya nanga Ozali se kwa Jésus Jésus Ozali se kwa ya basantu na zambe oh yo zamba kondi yo simba mboka komo Ozali ambe Kisi ya bila kana zambe Nipa na bomo yoyo moli mona ngemesa na koyoka Ozali bendele ya lokumu Eko pipa tango nyoso Katina mote marangai Mokumba melina yo Ozali nzambe Yesu yo elo mananga Oh yo elo mananga Yesu 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 yo elo Kumisa kombo ninge Yone liga na ngai Sape na nga yo yo Sape na nga yo yo Na yo kipusa kuyemba Lo yembo amote mana ngai Sape na nga yo yo Sape na nga yo yo Nzambe na nga yo yo Nzambe na nga yo yo Sape na nga yo yo Sape na nga yo yo Omi kumisa kilisumu Boma na bika ya ya ye Sape na nga yo yo Ozane, ozana wani wakwimbila wewa 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 Yemba ozane, yemba ya yanama na yembeli yoe Ozane, ozana wani wakwimbila wewa Ozane, ozana wani wakwimbila wewa Yemba ozane, 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 wakwimbila wewa, wakwimbila wewa, ozane, ozane.
Jésus. Binanayo, binanayo. Yemba hosana ye, yemba hosana ye, yemba hosana ye, yemba hosana ye. Tobeti maboko, tobeti mololo ye, tobeti mololo ye, tobeti maboko ye, tobeti maboko ye. Yemba hosana ye, yemba hosana ye. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le grand Seigneur. Bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien le faire ce matin? Il y a quelqu'un qui peut manifester la présence de l'Éternel en ces lieux ce matin. Il y a quelqu'un qui peut manifester que le Seigneur l'a gardé. Bien-aimés, j'aimerais que tous ensemble, comme un seul homme, que nous puissions nous lever en acclamant le Seigneur, en lui acclamant, en lui offrant une offrande d'acclamation, une forte offrande d'acclamation. Acclame pour Jésus, acclame pour le roi des rois, acclame pour le Seigneur des seigneurs. Le seul qui a accepté de renouveler le souffle de vie en toi, acclame-lui ce matin. Acclame Jésus ce matin. Jésus est merveilleux. Laisse-moi t'annoncer ce matin que Jésus est merveilleux. Bien-aimé, je te demande tout simplement de t'approcher devant son trône de gloire. Je t'invite de t'approcher devant son trône. Nous voulons lui offrir encore une offrande d'adoration ce matin. La Bible dit que toute langue confesse qu'il est Dieu. Que tous genoux fléchissent devant son saint nom. Je suis venu t'annoncer ce matin que tes problèmes de la semaine passée, ce matin fléchiront devant le nom de Jésus. Tes difficultés, ce matin fléchiront devant le nom de Jésus. C'est pourquoi nous voulons lui adorer. Nous voulons lui rendre gloire. Nous voulons élever son saint nom. Bien-aimé, est-ce que tu peux t'élever? Nalingito tike la yengwende na tongwa lelo. Masanzo le bongi kaka na nzambe. Molanga nzambe wazo yemba. Alobi masanzo le bongi na fiancete. Alobi masanzo le bongi na mobalite. Me masanzo le bongi kaka na nzambe. Tongwa lelo tolingito sanzo la nzambe wana. Maloba ya bolingwe bongi na ye. Alleluia. Je t'invite à te rejoindre à nous. Le maître du trône. Il est le roi des rois. Il est la pierre angulaire. Il est le réparateur de flèches. Dans le nom de Jésus, toute langue confesse. Dans le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus. Merci Jésus. Alléluia. Sikana yembela ye zemboyo. Akufe la kinai beku musu na yende na zulo biku. Masia aligi ai migi tikana yembela ye zemboyo akufe la kinai na eku lusu. Oh, Masia. Tika.
Yesu. C'est bien fait dans ta vie. Commence à réaliser ses offres dans ta vie. La Bible me dit tu y es d'amour. Commence à réaliser son amour dans ta vie. Kaya, ma quel amour éternel. Je m'en le premier. Avant même que mes parents puissent avoir le privilège de me concevoir, toi tu m'as choisi. Tu es Dieu, Yahweh. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Au-dessus de tout, tu es Dieu. Au-delà de tout, tu restes Dieu. Au-dessus de toutes choses, tu es Dieu. Maman Jésus. Oh, Messia. 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 Yes, Aux
Levez de mon cœur et ma prière, que la parole de ce chant soit ta prière de ce matin.
Sogumba meli kombo nayo ozanzambe ozali zambe kolo Yesu kolambu nayo kolambu nayo katika biso esindinga yo 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 zoye Sotos a la que música, sotos a la que música, la gloria yo, sopus, pocomi, pocomi, pensabes, olibisima sumunioso, opesina bomon, taratina da zopiumba merayota ta. Nous allons lire à partir du premier verset, nous allons faire une petite lecture kangourou. Nous allons
sauter certains versets. Et l'intitulé de mon message de ce matin, c'est « La parole produit la foi, la prière produit des signes. » Amen. La parole produit la foi, la prière produit des signes. Exode chapitre 17, à partir du premier verset, j'ai lu au nom du Seigneur. « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partie du désert des signes selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec, avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je m'éteindrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. » Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Le verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge dédiée dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il placerait sur lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entamer mon message, j'aimerais dire deux vérités que nous devons saisir et inscrire ça dans nos cœurs ou dans notre esprit. La première vérité, aucun rendez-vous de Dieu ne peut être annulé. Aucun rendez-vous de Dieu ne peut être retardé. Alléluia. Quand Dieu nous fait la promesse, nous devons considérer que c'est un rendez-vous avec Dieu. Et Dieu va finir par accomplir sa promesse. Un homme de Dieu a dit, ce qui sort de sa bouche est accompli par sa droite puissante. Alléluia. Alors ce matin, si tu es là, si tu reconnais que tu as une promesse de Dieu, sache-le que tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Et on ne peut jamais avorter le rendez-vous de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la Bible nous relate une histoire. Dieu, un jour, avait parlé initialement à Abraham, « Sache-le que ta descendance se retrouvera un jour comme esclave dans un territoire, dans un pays étranger. » Mais sache-le aussi que, à la quatrième génération, je vais le faire sortir, mais avec des grandes richesses. Alléluia. Et quand le temps fut accompli, lui, Abraham, n'était plus là. 400 ans après, Dieu va susciter un libérateur. Son nom, c'est Moïse. Et cet homme était en train de paître le troupeau de son beau-père. Il a vu qu'il y avait un buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Quand il s'est retourné pour regarder, il a entendu une voix où on lui demande d'enlever les sandales. Parce que le lieu où il se tenait, c'était un lieu saint. Et cet homme va chercher à comprendre c'était quoi le message. Il a entendu une voix où Dieu lui dit ceci. J'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a vu? Il dit, je vis la souffrance de mon peuple. Qu'est-ce que j'ai entendu? Dieu a entendu les cris que l'oppresseur faisait pousser. C'est pour dire à quelqu'un, quand tu es dans la souffrance et que tu cries, Alléluia.
Et Dieu est descendu. Ce qui est merveilleux, Dieu dit à Moïse, je suis descendu, mais il demande à Moïse d'aller voir Pharaon. Alléluia. C'est pour dire ceci, quand tu reçois la parole de Dieu, tu deviens le visible de Dieu, Dieu reste invisible. Et cet homme, quand il a écouté cette parole, il a accepté, il est allé affronter Pharaon. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand tu reçois la parole de Dieu, cette parole a des fonctions. La première fonction de cette parole que tu as reçue, c'est pour créer en toi la foi. Amen. Et j'aime bien ce passage dans la Bible où Jésus a maudit le figuier. Et le lendemain, quand ils sont rentrés par là, c'est Pierre, je crois, qui fait remarquer à Jésus, mais écoute, voilà, ce que tu as dit là, le figuier là, a séché totalement. Alors Jésus va le regarder pour dire non, ayez la foi en Dieu. Si vous avez la foi et que vous dites quelque chose, ça va arriver. Mais dans la version grecque, on ne dit pas qu'ayez la foi en Dieu, mais c'est plutôt ayez la foi de Dieu. Alléluia. Ayez la foi de Dieu. C'est quoi avoir la foi de Dieu? Avoir la foi de Dieu, c'est être à la suite de Dieu. C'est que Dieu est devant toi, toi tu es derrière Dieu. Et Paul nous révèle une chose dans les livres des Corinthiens, il nous dit ceci, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. C'est-à-dire que moi je ferme mes yeux, je compte sous les yeux de Dieu. C'est Dieu qui est devant moi, c'est Dieu qui voit. Frères et sœurs dans le Seigneur, à chaque fois que tu vas cesser de compter sur Dieu, ouvrir tes yeux, ce que toi tu appelles danger, ce n'est pas un danger pour Dieu. Et là j'aimerais souligner une chose. Notre âme est nourrie de deux manières, par ce que nous entendons et par ce que nous voyons. Par ce que nous entendons, par ce que nous voyons. C'est pourquoi nous devons marcher par la foi, non pas par la vue. Parce qu'une fois une information par la vue te parvient, tu vas avoir peur. Tu vas te comparer par rapport à la situation. C'est comme les amis, quand ils sont allés explorer Cana, ils sont rentrés avec des preuves que ce que Dieu avait dit était vrai. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, là, nous avons vu le géant d'Anak. Nous, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Important de marcher par la foi. Et quand tu as foi en Dieu, Dieu devient ton protecteur, ton bouclier. Parce que la foi dans l'Ancien Testament, ça se traduit par le mot confiance. C'est que Dieu désire que tu puisses lui faire confiance. Alléluia. Que tu puisses faire confiance à Dieu. Et dans Hébreux, la Bible déclare ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La chose qui fait que tu sois agréable à Dieu, c'est ta foi. Alléluia. La parole produit la foi. La prière produit des signes. Alors qu'ils sont en train de traverser, selon la promesse de Dieu, vous devez quitter l'Égypte pour Canaan. Mais voilà que sur le chemin, il y a un premier problème qui va s'opposer. Et ça se pose où exactement? Dans la ville de Raphidim. Raphidim qui signifie repos. Là, il y a un besoin qui se présente. Ils ont soif, ils veulent boire, mais il n'y a pas d'eau. Frères et sœurs dans le Seigneur, ça c'est quelque chose qui arrive toujours très souvent aux leaders. Quand les choses deviennent compliquées, vous allez maintenant regarder au pasteur pour dire Yondo Memibiso Aur, Yondo Msegibiso. Et surtout que tu as donné le thème, la grâce. Alléluia. Maintenant, quand ils ne voient pas la grâce, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se retournent vers le pasteur. Mais malheureusement, quand on se retourne vers le pasteur, parce que c'est celui qui a reçu la parole, il ne faut pas murmurer. Alléluia. Dans la suite, vous allez comprendre quelque chose. Et ils vont murmurer contre Moïse. Moïse dit, mais écoute, au fait, ce n'est pas moi. Vous murmurez contre Dieu, vous vous révoltez contre Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, quelle a été l'attitude de Moïse? Moïse va se retourner vers Dieu. Parce que nous avons mis d'attitude. Il dit, mais regarde ce qui se passe. Et Dieu va lui dire, non, écoutez, prends les anciens avec toi. Va à la montagne d'Horeb,
frappe, il y aura de l'eau. C'est ce qui a été fait. Mais là, quand il rentre, il y a un peuple qui se lève contre Israël. Ce peuple-là, c'est qui? Le peuple d'Amalek, les Amalécites. Il se lève contre Israël. Frères et sœurs dans le Seigneur, Raphidim, ça signifie repos. C'est pour dire ceci à quelqu'un. Le diable se lève toujours tant qu'on est en repos, il y a vie. Il est là à la porte pour t'empêcher qu'on est en repos. Il est là à la porte pour te résister. Et Amalek s'est levé. Amalek, ça signifie peuple de la vallée. Il y a des esprits sur le chemin qui nous conduisent pour entrer dans notre repos. Ces esprits-là viennent nous perturber. Ils veulent nous tirer vers le bas. Ils veulent nous garder dans la vallée. C'est ça leur travail. Mais écoutez, maintenant que tu es dans la vallée, qu'est-ce qu'il faudra faire? Quelle attitude faut avoir? C'est à ce moment, Moïse qui va s'élever comme leader. Il va demander à Josué. Il dit, quoi, écoute, choisis des hommes, descends avec eux. Moi, Hur et Aaron, nous allons monter à la montagne. Et là, nous allons prier Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière produit les signes. Très souvent, on nous parle de miracles. C'est vrai, Dieu fait des miracles. Mais Dieu ne fait pas seulement le miracle. Dieu fait aussi des signes. Dieu fait aussi des prodiges. La petite différence, c'est quoi? Le miracle, Dieu peut partir de quelque chose qui existe et il donne la solution. Ça, c'est un miracle. Alléluia. Le prodige, Dieu peut partir du néant. Il produit quelque chose. Ça, c'est un prodige. Et les signes, ça, j'aime. Les signes, c'est-à-dire que ce sont des preuves de la véracité de la parole de Dieu. Le signe, c'est quelque chose qui va mettre tout le monde d'accord. Le signe, c'est quelque chose qui va dire que non, Nzamba lobaka ya solo. Asala rapé makambu ya solo ya minene. Et ici, la prière produit des signes. Bien-aimé dans le Seigneur, le vœu de mon cœur et ma prière, que les 3 mois qui nous restent ici, c'est possible qu'il fasse les miracles, c'est possible qu'il fasse aussi des prodiges, mais je veux que ça soit les 3 mois des signes avec Dieu. J'aime bien les signes de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, un jour la Bible déclare ceci. Quand vous lisez dans le livre de Jean, vous allez voir que Jésus a fait 8 miracles. Les 7 miracles, il a fait ça en public. Et le 8e miracle, il a fait ça en privé, avec les disciples seulement. Mais là, le problème, c'est quoi? Le 6e miracle que Jésus va faire, c'était le miracle d'un aveugle né, un aveugle de naissance. Quand cet homme a recouvert la vue, qu'est-ce qui va se passer? Les gens étaient très étonnés. Ils disent non, ce n'est pas possible. Non, ils ont refusé d'accepter ça parce qu'ils connaissaient le monsieur. Ils ont posé la question à la famille. La famille va répondre. Ils disent, mais c'est un grand garçon, il peut se défendre lui-même. Et on va poser la question, c'est lui ou ce n'est pas lui? Lui va dire non, c'est bien moi. Et Jésus va donner une réponse par rapport à ça. Il va leur dire, écoutez, qu'est-ce qui est difficile d'ouvrir les yeux d'un aveugle? Ce n'est pas compliqué. Il dit, mais comment tu arrives à le faire? Il dit, non, parce que moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Quand il va dire que moi et le Père, nous sommes un, ça provoquait le tollé. C'est devenu un problème sérieux. Lui, il est Dieu. Il dit, non, ce n'est pas possible. Alors, on va chercher à tuer Jésus. Jésus va fuir. C'est comme ça qu'il se retrouve maintenant dans Jean 11. Là où, quand il apprend que non, Lazare est malade, il va s'arranger pour dire, non, écoute, je ne vais pas aller maintenant. Je vais aller après. Pourquoi? Parce que là, il devait donner une preuve que lui et le Père, ils sont un. Donc, quand Dieu veut donner de preuves que c'est Dieu, ça ne sera pas dans la dimension des miracles, ça ne sera pas dans la dimension des prodiges, mais ça sera la dimension des signes.
Alléluia. Mais très souvent, quand Dieu veut faire des signes, c'est là où ça devient compliqué. Il y a toujours un temps. C'est comme ça que Marie et Marthe ont pleuré. Pourquoi tu es venu en retard? Si jamais tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours un temps où nous devons passer par la vallée. Mais sache-le, il y a un Dieu qui est capable, par ta prière, de transformer la vallée en un lieu de bénédiction. Quand Dieu poursuit les signes, Dieu vous donne l'impression comme s'il vient en retard. Alléluia. Quand Dieu poursuit les signes, c'est pourquoi tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que la vallée de l'ombre de la mort, ou la vallée de Banca, ça signifie le lieu de pleurs. Et Israël est en train de pleurer dans la vallée. Il dit, mais si c'était toi et moi, on allait poser la question à Moïse. On dit, mais Pascal, comment toi tu nous demandes de descendre dans la vallée, toi tu restes sur la montagne. Frères et sœurs dans le Seigneur, celui qui est monté à la montagne, il s'appelle Moïse. Et Moïse, son nom signifie tirer des eaux. Alléluia. Mais il n'était pas seul. Il y avait Hur avec lui. Et Hur, son nom, ça signifie calvaire. Et Aaron qui était avec lui, son nom, ça signifie illuminé. Le Saint-Esprit qui illumine. Voilà qu'ils sont à la montagne. Moïse est en train de prier. À un moment donné, Moïse est fatigué. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va prendre une pierre et Moïse va s'asseoir sur cette pierre qui est la pierre angulaire, qui est Jésus. Frère, quand tu veux retrouver la force, repose-toi sur Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Ils prennent le vol comme l'aigle. Confie-toi en Dieu. Reste assis sur la pierre. Tu n'es pas seul. On parle de Hur, on parle de Aaron, l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, des fois, nous ne savons pas quoi demander, mais l'Esprit en nous intercède. Tu n'es pas seul quand tu es en train de prier. Et l'autre, le nom signifie calvaire. C'est-à-dire que la souffrance. Il y a ceux qui sont descendus dans la vallée qui souffrent. Il y a ceux qui sont restés aussi à la montagne qui est en train de souffrir. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que j'aime avec Dieu. À la montagne, Dieu est là. On demande à Josué de descendre dans la vallée. Josué, son nom, a la même racine que le nom de Jésus. Dieu sauve. Même dans la vallée, Dieu descendra pour te sauver. Tu ne seras jamais seul. Frère, j'ai compris une chose. Quand nous sommes en prière, le ciel s'ouvre. Dieu active ses anges qui entrent en action. Je veux que chaque fois que tu réalises, quand tu es en train de prier, le ciel est ouvert sur toi et les anges sont en mouvement. N'est-ce pas qu'il est écrit, vous, anges de Dieu, qui exécutez la voix de sa parole, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que Dieu attend que tu entres en prière, que tu pries. La voix, c'est ta voix, mais la parole, c'est la parole de Dieu. Et il y a des anges qui entrent en action. Écoutez, Josué est descendu dans la vallée. Ça veut dire quoi? Pour ton problème sur la terre, le temps de souffrance que tu es en train de traverser, Dieu a vu ça. Dieu a fait quoi? Il est descendu. Et celui qui est descendu, son nom, c'est qui? Jésus. Dieu sauve. Je veux que tu réalises que pendant le temps de la souffrance, que tu changes la vision des choses. Et l'homme de Dieu a dit, les enfants sont prêts à venir au monde. Il y a la douleur d'enfantement. La force nous manque. Frères et sœurs dans le Seigneur, la première fois qu'on a utilisé le mot douleur ou la souffrance, c'était en rapport avec l'enfantement. À chaque fois que tu es dans la souffrance, attends-toi à quelque chose. Mais il faut entrer en prière. Alléluia. Il
faut entrer en prière. Josué est descendu. Et la Bible dit ceci. Pendant qu'ils sont en train de prier à la montagne, il était fatigué, il a baissé ses mains. Quand il baisse les mains, c'est la défaite dans la vallée. Alléluia. C'est la défaite dans la vallée. Frère, quand on baisse les mains dans la prière, l'ennemi prend le dessus. Il ne faut jamais baisser les bras. Alléluia. Il ne faut pas se fatiguer. Et là, je vais encourager à quelqu'un. Tu pries comme ça. Tu sens que ça ne va pas. Tu dis, Seigneur, tu m'as donné la promesse. Des fois, je ne sais pas quoi demander. Et c'est l'Esprit qui intercède. Tu vas voir que tu vas passer directement la prière, intelligence. Tu passes maintenant prière en esprit. Et ça, ça devient encore très compliqué. Et rassure-toi que tu vas avoir la victoire. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vallée est inévitable. Personne ne peut échapper à ça. Personne ne peut échapper à la vallée. Tous, nous devons passer par la vallée. Pour Jésus-Christ venir sur la terre, mourir à la place de l'homme, c'était la vallée pour lui. Pour toi aussi, il y a la vallée. Alléluia. Il y a aussi la vallée de Banca. Dans Psaume chapitre 84, le verset 7, il est écrit, quand ils vont traverser la vallée des pleurs, ils vont transformer ça en lieu de bénédiction. Qu'est-ce qui va faire que le lieu de pleurs soit transformé en lieu de bénédiction? C'est la prière. Alléluia. C'est la prière. Frère, le problème de la prière, on ne cède pas, mais on peut être assisté. Je viens voir le pasteur, je lui explique mon problème. Le pasteur m'accompagne dans la prière. Moi, je prie, le pasteur aussi prie. Mais il ne faut pas dire que non, la sinaïbi, c'est yabon de la ponanga. Non, non. J'ai toujours expliqué ceci. Quand tu demandes l'assistance de prière du pasteur, c'est comme un véhicule qui a 4x4. Quand une fois tu es embourbé, tu as besoin de mettre ce qu'on appelle le renfort. Donc tu viens chercher le renfort auprès du pasteur. Mais il faut que toi-même aussi tu pries. Il faut que toi-même aussi tu pries. Frère, la prière produit des signes. Comme je disais tantôt, Jésus devait donner de preuves qu'il est fils de Dieu, qu'il est égal à Dieu. Et ils étaient très étonnés. Ils disent, mais non, comment tu peux dire ça? Il dit, alors, bientôt là, je vais vous donner des preuves. Kengana papa, toza mutumoko. Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un, si tu es dans la vallée, c'est parce que Dieu veut donner des preuves que tu lui appartiens. Ne pleure pas. Ne dis pas que ça prend beaucoup de temps. Ne dis pas que Dieu m'a oublié. Ne dis pas que non, Dieu ne fait rien. Frères et sœurs dans le Seigneur, pendant le temps de douleur, on pleure toujours. Même lui-même, fils de Dieu, à la croix, il a dit, « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alléluia. Et Paul va nous révéler que Dieu était en Christ, en train de réconcilier le monde avec lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a ses priorités qui ne sont pas nos priorités à nous. Quand il termine de faire ses priorités, il va s'occuper de toi. Alléluia. Il va s'occuper de toi. Maman, tu dois passer par la vallée. Mon frère, tu dois passer par la vallée. Mais comprends une chose. Quand je passe par la vallée, c'est une invitation dans la prière. Alléluia. J'aime bien le psaume que nous aimons tous là. C'est quoi quel psaume là? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 23. Ah, tout le monde connaît ça. Qu'est-ce qu'on dit? L'Éternel est. C'est, tu sais que c'est une grande décision, déclaration. Tu reconnais que Dieu est ton. Or, le berger, il est toujours devant les brebis. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a pas un panneau de stop. C'est juste un passage. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il révèle? Il dit, ton bâton et ta houlette, fait quoi? Mais rassure, c'est que Dieu est avec moi. Quand vous regardez le bâton, nous
qui avons grandi au village, nous connaissons très bien ces choses. C'est une tige à la fin qui se termine avec un crochet. Je crois que c'est ça, non? Pourquoi crochet à la fin? La partie tige permet de donner la direction. La partie crochet permet que si jamais tu es tombé dans un trou, qu'on puisse te récupérer avec la crochet. Donc même dans la vallée de l'ombre de la mort, là, dans l'obscurité, Dieu te donnera toujours la direction. Ah, si jamais ça arrive que tu tombes, ne pleure pas, la quoi il bouleza musika. Non, il est capable de te récupérer. Alléluia. Mais écoutez la suite. Qu'est-ce qu'on dit? Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qui vient après? Il y a une table qui est dressée. Alléluia. Rassure-toi que non, après la vallée, il y a une table qui est dressée devant moi. Et ce qui est bien, il dit ceci. Il dit, la table est dressée en face de qui? Alléluia. Donc, vous n'allez pas vous retrouver seul à la table. Vous allez vous retrouver à la même table, mais avec tes... Mais Dieu va marquer la différence. Qu'est-ce qui va se passer? Il termine en disant, ma coupe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs coupes à la table. Mais maintenant, lui parle en fonction de sa coupe. La seule coupe qui va déborder, ça sera la coupe de qui? Alléluia. Ce sera ma coupe qui va déborder. Pas la coupe de tes adversaires. Ça sera ta coupe à toi qui va déborder. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver avec la coupe sans rien. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, arrêtons cette histoire. Oh Dieu, pourquoi seulement moi? Jusqu'à quand, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Il y a même certaines personnes qui commencent à chercher. Sûrement c'est par rapport à ceci. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez la bonne nouvelle. Tu n'as pas été né de nouveau pour des anciennes choses reviennent, mais tu as été né de nouveau pour de nouvelles choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour te faire sortir de la vallée, Dieu a fait quelque chose. Dieu t'a regardé. Dieu a vu que nos ancêtres avaient désobéi à Adam et Ève. La mort est devenue éternelle. Et Dieu devait donner la solution par rapport à la mort. Qu'est-ce que Dieu a donné? Dieu a sacrifié Jésus. Là où il y avait la mort, par le sacrifice de Jésus, nous avons la vie éternelle. J'aimerais te rassurer que ce que tu as, c'est cette vie-là de Dieu qui est en toi. Une fois que tu as cette vie-là par la foi, tout ce qui arrive est appelé à passer. Ça va passer. Il y a un temps qui est fixé par Dieu. Très souvent, nous pleurons parce que nous avons comme impression que le temps est notre ennemi. Non, le temps est notre allié. Parce que celui en qui je crie, il se nomme le maître des temps et des circonstances. Il contrôle le temps. Et le temps qui est tenté de passer doit passer. Mais il y a aussi un temps que Dieu a fixé. Quand ce temps-là va arriver, ça ne passera pas. Ça marchera. Alléluia. Vous n'avez jamais remarqué que le diable a détruit certaines choses dans ta vie. T'a bloqué dans certaines situations. Mais il y a une chose qui te reste, qui n'est jamais partie. C'est le souffle de vie. Alléluia. C'est le souffle de vie. Et le grand secret, quand tu vois que tu as encore le souffle de vie, ne pleure pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Atabampiaka loue l'Éternel. C'est quelque chose qui trouble les diables. Il se pose la question, mais Mouto, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il connaît la faiblesse des hommes. Il sait que dans la souffrance, l'homme pleure. Quand tu pleures, tu désobéis à la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais dit, dans la souffrance, il faut pleurer. Dieu a dit, dans la souffrance, il faut prier, maman. Alléluia. La deuxième bonne nouvelle que tu dois savoir dans la souffrance,
Là, je reviens sur l'histoire de Job. Frère et soeur dans le Seigneur. Quand ils se sont discutés, quand ils se sont parlé, toi et moi, nous n'étions pas là. Ça s'est passé au ciel. Où le diable dit, non, écoutez, s'il est bien, s'il est comme ça, c'est parce qu'il est béni. Dans la pensée hébraïque, on dit que la bénédiction, c'est la protection de Dieu. Donc quand Dieu nous bénit là, c'est pour nous protéger. C'est une clôture qu'il construit autour de nous. Et le diable va lui dire, non, écoutez, c'est parce que tu l'as béni. Touche seulement, tu vas voir ce qui va arriver. Il va te maudire en face. Mais je bénis cet homme de Job. À la place de maudire, lui, il va bénir Dieu. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a retiré. Que son nom soit béni. La confession de la foi précède la possession. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce que tu dois savoir, le diable qui est à la base de cette souffrance, il veut te pousser à entrer en conflit avec Dieu. C'est comme ça que des fois, quand ces choses-là nous arrivent, quand nous sommes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, on commence à se poser la question, est-ce que Ngao Nazana Nzambe ou Nazana Ete? Est-ce que Nzambe Ayebinga ou Ayebinga Ete? Ayebiyo, Azana Yo. Paul a compris ces choses. Dans le livre de Romains, chapitre 8, il dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est ni la souffrance, ni la nudité, ni le péril. Alléluia. Dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc la souffrance là, l'idéal veut te pousser à dire, est-ce que nazana nzambe? Oh, renier nzambe. Ma soeur, attendez, il ne faut jamais renier Dieu. Crois que tu sois avec lui. Le silence de Dieu ne signifie pas l'abandon ni l'oubli, mais Dieu travaille dans le silence. Alléluia. J'aime un passage là, dans le livre d'Esaïe, où il dit, je crois que c'est Esaïe 42, où il dit, j'ai longtemps gardé silence, je me suis retenu, maintenant je vais crier comme une femme en plein travail. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand il dit, j'ai longtemps gardé le silence, c'est-à-dire que quand Dieu te voit dans cette situation, Dieu te fait confiance que le Kana Yomoko. Dieu te fait confiance que le Kana Yomoko. Il a fait confiance à Job. Il savait que Job a renié été. Ma sœur, que la souffrance est une au renié Nzambe. Garde ta foi. Fais-lui confiance. Ce n'est pas avec toi que Dieu va inaugurer les mensonges. Il y a un temps que ça va changer. Car celui qui se déchaîne sur toi là, sache-le qu'il est enchaîné. Et le bout de la chaîne, c'est Dieu qui détient ça. Même s'il se déchaîne comment? Mais le même Dieu qui lui a donné l'autorisation, c'est le même Dieu qui a fixé aussi des limites. Alléluia. Depuis que tu es tombé dans cette situation-là, on t'a dit que non, c'est fini. Ça fait combien d'années? Non, ne s'il était. Parce qu'il y a des limites que Dieu avait fixées. Touche son argent, touche ses biens, mais ne touche pas son âme. Sache-le qu'il y a toujours des limites que Dieu a fixées. Pas si nous sommes en soukanango. S'il a fixé ma limite à l'ennemi, a fixé paix, tant il y a souka, il y a souffrance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est au contrôle, il gère tout, il connaît tout, il entend, il voit. Et ce que j'aime, il dit, j'ai entendu, je vis, je suis descendu. Dans ta souffrance, l'anzamba gokita. Est-ce que tu crois que l'anzamba gokita na katali kambo? Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, pendant que je préparais ce message, Dieu m'a dit clairement ceci, que je viens vous dire, il nous reste 3 mois. Toi qui n'as rien vu au mois de janvier, toi qui n'as rien vu au mois de février, alors que nous sommes au mois d'octobre, maintenant il nous reste 3 mois pour que l'année touche à sa fin. Je suis venu booster ta foi pour te promettre que toi aussi tu vas défiler du haut de cette chair pour témoigner Jésus. Personne ne va rester sans témoignage. Parce que les signes, c'est le témoignage de Dieu. Alléluia. Les signes, c'est le témoignage de Dieu. Cet homme qui est mort, Lazare, quand vous lisez, Jésus est venu 4 jours après, ils ont dit, non mais écoutez, tu es venu en retard. Non, il y a un temps que Dieu a fixé. Dieu ne vient jamais en retard. C'est pourquoi je vous ai dit au départ,
On ne peut pas avorter le rendez-vous de Dieu. On ne peut pas annuler le rendez-vous de Dieu. Est-ce que tu sais que tu as rendez-vous avec Dieu? Et le rendez-vous avec Dieu, c'est la promesse. Enfin, ils ont dit, mais c'est fini. Tu es venu en retard. Écoutez, les théologiens expliquent ceci. Ils disent que dans la coutume juive, quand un homme meurt le premier jour, pasteur, c'est possible qu'il revienne à la vie. Le deuxième jour, on espère. Le troisième jour, on espère. Quatrième jour, fini l'espérance. Il n'y a plus rien. Alléluia. Alors, il donne une explication en disant ceci. Les corps entrent dans la phase de décomposition. Donc, même l'esprit là qui plane sur le corps, il ne sait pas reconnaître le corps. Parce que le corps est en décomposition. Mais nous avons un Dieu. Même quand l'esprit ne sait pas reconnaître, lui, il va dire seulement une parole. Et je suis en train de prier qu'une parole soit dite sur ta vie ce matin. C'est une parole qui va changer la saison de ta vie. C'est une parole qui va te faire sortir de la vallée de l'ombre de la mort. C'est une parole qui va transformer la vallée de pleurs. Est-ce que ce matin tu peux dire à Dieu, dis seulement une parole. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce que j'aime avec Dieu, quand il veut donner des signes pour marquer la différence, pour qu'il soit reconnu comme Dieu, on a toujours tendance à penser que non, Nzamba est en retard. Nzamba n'aura jamais en retard. Alléluia. Bali la raïbe avance. Mais le problème, quand Dieu regarde comme ça, au lieu qu'il te voit en prière, Nzamba zo mono na matanga, yozolela. Alléluia. Dieu n'exauce jamais le pleur, mais Dieu exauce la prière. J'ai beaucoup aimé le mois de prière. L'intitulé, c'était comment? Oh, toi, qui écoute quoi? Enfin, que tous les hommes fassent quoi? Ah, Dieu veut faire de toi un signe pour que par toi, les autres viennent à Dieu. Dans Jean chapitre 12, la Bible dit ceci. Après sa résurrection, plusieurs sont venus, non seulement pour voir Jésus, mais ils étaient venus pour voir qui? Lazare, ressuscité. Tikate batu, ba ya epa ya nzambe na nzela na yo, ba mwona o nzamba saleli yo. Alors les 3 mois qui nous restent ici, ce sont les 3 mois de signes. C'est pourquoi je t'invite, ne manquez pas la prière de jeudi. Alléluia. La maternité des solutions. Comme le pasteur disait tout à l'heure ici au premier culte, ceux qui sont de la maison ne reconnaissent rien. Je suis en train de prier pendant le premier confinement. Je priais avec un groupe de gens qui sont aux États-Unis, les autres sont en Europe, avec ce qu'on faisait ici comme diffusion chaque jeudi. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens ont vu la main de Dieu. Mais combien qui sont ici ont vu la main de Dieu? Et ils m'ont dit, mais d'où est venue cette inspiration-là? La maternité des solutions. Est-ce que tu réalises que quand tu pries, il y a une solution? Combien le savent? Mais pourquoi tu ne viens pas le jeudi? Alléluia. Qui peut prendre l'engagement d'être là le jeudi et ne plus manquer? Alléluia. Vous n'avez jamais remarqué que tu peux rester devant la télé pendant 2 heures. Alléluia. Et surtout, bino bate la génération novelas. Alléluia. Là, tu n'es pas fatigué. Alléluia. Mais ceux qui ont l'ignée, ils ont l'air de l'ensemble. Ah, ils ont commis péché. Alléluia. Tu es tenté de souffrir dans la pongi. Non, mais écoutez, bien-aimé. Le temps minimum, c'est par là que je vais terminer. Le temps minimum pour un chrétien et la prière, c'est 1 heure. Alléluia. Jésus a dit, vous n'avez pas su prier, ne fût-ce qu'une heure. Le temps minimum de prière, c'est 1 heure. Alléluia. Maintenant, faisons des calculs ensemble. Comme ça, je termine mon message. Nous avons combien d'heures? 24 heures. Alléluia. Les médecins nous conseillent qu'un homme normal doit avoir 8 heures de sommeil. 8, tu sous-serais, dans 24, tu sous-serais 8. Ça va nous rester combien? Mémé, fais-nous des calculs. Ça va rester combien? Combien? 16, hein? Ok.
temps de travail, c'est combien? 8 heures. On soustrait encore 8. Ça nous reste combien? 8 heures. Les hommes qui mangent bien, comme notre bien-aimé vient de là, les gens qui mangent bien, ils disent qu'un homme normal peut rester à la table entre 30 et 45 minutes. OK? En réduisant ça maintenant à 1 heure. Ça va nous rester combien? Tu as 7 heures. Hein? On dit que tu dois prendre le temps de détente. Un homme normal doit prendre un temps de détente sur au moins 2 heures. Ça va nous rester combien? Heure de détente, n'est-ce pas? Un homme normal doit rester avec les enfants, sa femme en train de parler. Il peut prendre encore 2 heures. Vous êtes en train de parler. Il nous reste combien? 3 heures. Est-ce que vous voyez que vous avez 3 heures ou 3 heures? Et Dieu est très gentil. Le minimum, il nous demande 1 heure. Les plus robustes, il faut passer 3 heures. Mais si vous même 1 heure, vous avez 5 heures. Alléluia. 1 heure, vous avez 5 heures. Épisode, il y a Novelas, ils ont combien de minutes? 45, hein? Oh, ils ont 3 séries par jour, hein? Naïbi, parce que j'ai à la maison, on suit ça. Je ne viens pas du ciel. Donc, quand tu prends 3 épisodes, 45 minutes, 45 minutes, 45 minutes, ça vous fait combien? Hein? Il te reste combien par heure? Donc, le 15, 15, 15, il te reste encore combien? 45 minutes, tu as encore. Même ceux qu'on n'a pas, si y a robot, ils ont 45 minutes, on peut s'en dire à l'Ossambout. Parce que le temps minimum, c'est 1 heure. Et je ne deviens pas votre ennemi en vous disant la vérité. Alléluia. Quand la tango zole la n'a pas, et les qui n'a tango zole qui s'en a gâté à prière. Frères et sœurs dans le Seigneur, la prière produit des signes. Dieu veut faire de toi un signe. Je termine en disant, quand vous lisez, on va vous dire que Jésus s'est retrouvé à la table avec Jésus. Avec Jésus, avec Lazare. Dieu te veut à la table. Et que plusieurs viennent au Seigneur par ce que Dieu a fait dans ta vie. Et les 3 mois qui nous restent ici, ce sont des 3 mois de signes. Tu veux que vie n'aille comme une vie à signe. Comme on a dit l'autre dimanche, ceux qui sont avec Dieu ne perdent jamais. Tu vas poursuivre, tu vas rattraper et tu vas tout récupérer. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, une question a été posée au pasteur Young Cho qui vient de nous quitter. C'est quoi ton secret? Il va dire, j'ai 3 secrets. Mon premier secret, c'est la prière. Il y a le deuxième, la prière. Et le dernier secret, la prière. Alléluia. La foi produit. La parole produit la foi. La prière produit des signes. Jésus, en terminant, il a dit, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des paysages. Présages et signes. Dieu veut que ta vie devienne un signe. Le signe, c'est le témoignage que Dieu dit vrai. Ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est ça le signe. C'est-à-dire quoi? Quand on dit que Nzambe a pambolaka, Nzambe a pambolaka. J'aime ce que le passé nous a dit au premier culte. Ah, tout le monde a été kuna, bamouni ndenge mousous. Il est devenu un signe là-bas. Alléluia. Que Dieu exauce. Ce que j'ai aimé, ça qu'il nous a dit en bas, il a dit que le même message qu'il prêche ici, quand il prêche là-bas, bah on va dire mon angot terrible, mais puisque moi quoi, c'est quoi le problème des anani? Les anzambe ou les abiso? Hein? Maman Sophie, les anzambe ou les abiso? Les abiso, hein? Mais tout ça, jeudi, n'est-ce pas? Maternité des solutions, n'est-ce pas? Il y a eu ça, parce que jeudi, à 17h, au salon, on est dans l'eau. Bah si, bah s'arranger, écoute, prédication. Et Bandara à 18h, juste ce 15-20 minutes, les restes.
c'est le deuxième épisode de Novelas. Ou le troisième épisode de Novelas. Bango bazo sala vie na bango, za sala na bango bazo sala bazo zombongo. Yusko zo tala bango, zo envie bango. Viens prier. La prière produit des signes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la prière qui va faire que la vallée de l'ombre de la mort soit transformée et que tu puisses sortir de cette vallée et que ta coupe soit débordée. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous mettons debout juste pour quelques minutes, nous allons prier. Frère, la souffrance est inévitable. Nous devons passer par là. C'est la voie obligée. Mais dans la souffrance, Dieu a dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Nous allons équiper et demander à nos bien-aimés pour la Sainte-Seine. Pendant ce moment, celui qui est prêt pour participer à la table du Seigneur se prépare déjà. Frère, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Parce qu'en participant à la table du Seigneur, la Bible déclare, plusieurs participent sans s'identifier au Seigneur. C'est pourquoi il y a des maladies, c'est pourquoi il y a la mort. Mais ceux qui s'identifient à Jésus, ça sera la guérison, ça sera la délivrance, ça sera la bénédiction. Et je déclare que ce matin, celui qui va participer à cette table, Dieu va le visiter. Et ce jour-là, il a pris le pain qu'il a brisé. Il a dit que c'est mon corps. Que nous devons prendre ça en mémoire de son nom. Il a pris aussi le vin qu'il a présenté pour dire que c'est mon sang. Frère, tous nous connaissons ce verset. Nous l'avons vaincu à cause du sang. C'est ce sang-là qui amène la vie. C'est ce sang-là qui amène la victoire. Et nous croyons qu'en participant ce matin, quelque chose va se passer dans notre vie. Et ceux qui sont prêts, ils vont participer à la table du Seigneur. Ceux qui se sont préparés. Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui a pris nos péchés sur ses épaules? Tu l'as fait sans rien dire. Qui est comme toi, Jésus? Comme toi qui a pris nos péchés sur ses épaules, tu l'as fait sans rien dire. Que le prix payé sera toujours assez, et ta vie donnée, tu l'as fait par amour. Que le prix payé sera toujours assez. Et ta vie donnée, tu la fais pas. Ton nom est glorieux, amour. Jésus. Ton nom est glorieux. Nous élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Nous élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élevons-le plus haut, plus haut. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui a pris nos péchés sur ses épaules? Tu l'as fait sans rien dire. Jésus. Comme toi, qui est comme toi, comme toi, qui a pris nos péchés sur ses épaules. Tu l'as fait sans rien dire. Tu l'as fait sans rien dire. Je le prie. Et le prix payé sera toujours assez. Et ta vie donnée. Et ta vie donnée, tu l'as fait par amour. Je le prie payé. Et le prix payé. Assez. Ta vie donnée. Et ta vie donnée, tu la fais pas. Ton nom est glorieux, Jésus. Ton nom est glorieux. Nous t'élévons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élévons-le plus haut. Ton
glorieux. Nous élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élevons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, Jésus. Nous élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Ton nom est glorieux. T'élévons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élévons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, Jésus. T'élévons Jésus. Plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élévons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, glorieux. T'élévons plus haut, plus haut. Ce qu'il a fait. Élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Nous élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Nous élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élevons-le plus haut. Élevons-le plus haut, ton nom est glorieux, ton nom est glorieux, nous élevons plus haut, plus haut, viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Tous nous lever, nous allons prier maintenant. Frère, il nous reste 3 mois. Tu vas prier pour les signes que Nzamba Kitanakata Valé Nayo. Tu vas dire, Seigneur, je lève mes mains comme Moïse ce matin. La Bible dit, quand il élevait ses mains, il devenait fort ce qui était dans la vallée. Celui qui était dans la vallée, c'était Josué. Et il retrouvait la force pour détruire les Amalek. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, je prie pour les 3 mois. Il y a un verset dans Psaume qui dit ceci. Ceux qui méditent ma perte, j'écris à l'Éternel, il recule. Commence à crier pour enfin qu'il puisse reculer et laisser l'espace. Qu'il puisse reculer afin que tu récupères l'espace, ce que tu avais perdu. Demande à Dieu de descendre. Au nom de Jésus, prions, Seigneur. Alléluia. Oui, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, dis à Seigneur, viens à mon secours. Tu es le secours qui ne manque jamais. Que Dieu te donne la force. Que tu puisses affronter cette situation. Que tu puisses traverser. Car dans la vallée, il n'y a pas un panneau de stop. C'est juste un passage et que toi, tu dois passer par là. Tu dois sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu es le secours qui ne manque jamais. C'est toi qui viens à notre aide. C'est toi qui combats, oh Dieu. C'est toi qui exerces nos mains au combat. Donne la victoire à ma soeur. Donne la victoire à mon frère. Que les 3 mois ici, que ce soit les 3 mois d'accomplissement des promesses faites par toi. Ce sont les 3 mois, oh Dieu. Nous allons traverser. Personne ne va rester dans la vallée. Ce sont les 3 mois où la vallée est transformée. Ça ne sera pas un lieu de larmes, mais un lieu de bénédiction.
C'est ta prière de ce matin qui va transformer la vallée. Oh, prie, ma soeur. Il s'agit de toi. Il s'agit de ton problème. Il s'agit de ta situation. Il s'agit de ta famille. Il s'agit de ton état. Oh, que Dieu, que Dieu, que Dieu te soutienne. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te fortifie. Que Dieu puisse te tenir par la main. La Bible déclare, je te tiens par la main pour terrasser. Dis à Dieu, je traverse. Je traverse. Je traverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, continue à prier, bien-aimé, parle à Dieu. Il est celui qui te fait traverser la vallée des Baca. Il est celui qui t'amène au-delà. Il est celui qui te console pendant ces 3 mois qui restent. Il est celui qui opère les signes. Il est celui qui manifeste ses signes. Merci, Jésus. Écoutez, Église. Nous voulons encore prier. Nous allons recommander la rentrée scolaire de nos enfants entre les mains de Dieu. Il y a des enfants, bien sûr, qui ont déjà commencé. Et il y a d'autres, la majorité, qui commencent demain. Je voudrais que tu recommandes cette année scolaire entre les mains du Tout-Puissant. Afin que les enfants soient remplis de l'intelligence et de la sagesse. Que Dieu les préserve de tout danger. Que le Seigneur épargne des maladies, des accidents. Que le Seigneur protège la vie de chaque enfant et que Dieu donne les moyens pour les supporter. Élève ta main droite, commence à prier. Recommande l'année scolaire entre les mains du Seigneur. Recommande cette année scolaire entre les mains de Dieu. Le Seigneur qui commence quelque chose et l'achève. Cite même les noms des enfants, cite chaque enfant. Que Dieu puisse protéger sa vie. Que le Seigneur seul soit le gardien. Pendant que tu n'es pas là, que Dieu protège les enfants, que Dieu sécurise leur vie, que le Seigneur soit leur gardien, que les anges de l'Éternel soient à côté de nos enfants, qu'ils les protègent et qu'ils les bénissent. Mon Seigneur et mon Père, nous te recommandons cette année scolaire entre tes mains. Accepte de garder chaque enfant de cette église. Protège la vie de chaque enfant de cette église. Donne l'intelligence et la sagesse. Loin de nos enfants la maladie. Loin de nos enfants, oh Dieu, les accidents. Loin de nos enfants tout le plan de l'ennemi. Nous déclarons que nos enfants sont protégés. Nos enfants sont bénis. Nos enfants sont sécurisés par toi. Au nom de Jésus, laisse que ton sang leur couvre. Que ton sang leur sécurise. Que tous nos enfants soient dans la sécurité divine. Que cette année scolaire soit bénie. Que cette année scolaire soit une année de distinction. Soit une année de protection pour la vie de chaque enfant de cette église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons le roi des rois. Nous bénissons grandement notre Dieu pour son serviteur, pour le message de ce matin. Amen. Notre temps est déjà parti, nous voulons maintenant offrir à Dieu. J'aime bien lorsque nous acclamons pendant le moment des offrandes. Oui, c'est le moment des bénédictions. Offering time, blessing time. Le temps des offrandes, c'est le temps des bénédictions. Amen, amen. Et nous saluons ces moments avec joie. Voilà pourquoi nous allons commencer avec nos contributions à chaque parcelle. Comme nous le faisons habituellement, pour ceux qui ne savent pas, nous nous préparons parce que dans peu de temps, nous allons acheter une grande parcelle pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Et nous allons y construire un grand temple, un beau temple qui fera la gloire de Dieu. Amen, amen. Et sur ce, nous avons pris un engagement. Le moins, c'est les 2000 francs. Et je peux donner au-delà selon les moyens que Dieu m'a donné. Tu as 10 dollars, 50 dollars, 20 dollars, je ne sais pas. Nous donnons toutes ces contributions et Dieu va nous bénir. Si nous pouvons déjà commencer à amener, les paniers sont là devant nous.
amenons d'abord nos contributions à chaque parcelle et nous allons donner nos offrandes et nos dîmes après. Cette habitude de payer la dîme. Dieu nous bénit dans ce qu'il nous a donné. Prélevons ce qui lui revient. Le panier de dîme est au milieu avec Pasteur Béris et d'autres paniers sont pour les offrandes. Nous les faisons avec joie. Jésus. Alléluia, aïe, moi dans un bé, vous allez comprendre, y'a Yesu Christo, vous allez à l'école, alléluia, c'est mon souffle. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. S'il vous plaît, comme nous avons fait dans le premier culte, pendant que la chorale est là, nous voulons donner nos contributions pour les cas de deuil qu'on avait. Si on peut nous amener les paniers, nous avons deux personnes qui sont éprouvées. Il y a une maman qui a perdu son mari et il y a aussi un papa qui a perdu sa mère. Alléluia. Ce sont des moments comme ça que nous devons prouver que nous sommes une famille, nous sommes ensemble. Nous les faisons avec amour. Si nous pouvons déjà passer avec nos contributions parce que nous devons visiter les deux familles qui sont éprouvées et nous les faisons avec joie. Peut-être que tu peux perturber ton programme. Tu t'es dit non, je l'ai fait pour l'amour de Dieu. Je l'ai fait pour soutenir nos bien-aimés. Peut-être que tu ne les connais pas, mais tu les fais au nom de l'amour. Amen, amen. Nous passons avec nos contributions, les paniers qui est là-devant, avant de passer à autre chose. Mibatela, mibatela, sote masumu potango Yesu akozonga, eh, akende na yo, eh, 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 yolele, ay, 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 Yesu Christo, nozala na yo likolo, aleluya, nisengo sukateo, eh, zambe na kongo, eh, Yahweh, toyembe liyolo yembo, eh, Bonzelio, bon motonanga, eh, Molimonanga, Molimonanga,